Bonjour, bonsoir à tous et à toutes. Ici Maître Pic, gardien de la tradition. Que le créateur des malades, nos ancêtres nous accorde la santé et la vie. Une bonne santé de fer et une longue vie. Ici Maître Pic, gardien de la tradition. Avocat des femmes, mentor des hommes. Bienvenue sur Science Occulte. Et oui, c'est la chaîne de l'enseignement, la chaîne où je vous explique un peu la science. Aujourd'hui, messieurs, dames, n'oubliez pas, comme d'habitude, de vous abonner massivement, partager la vidéo, activer la cloche de notification pour ne rater aucune de mes vidéos. C'est important. Et surtout, n'oubliez pas de prendre votre petit cahier et d'écrire toute l'enseignement. Nous allons parler de l'eau de source dans la purification. Vous savez, au fur et à mesure du temps, nous avons constaté que maintenant, l'eau de source, nous ne pouvons plus facilement aller dans les forêts ou bien dans les camps de mousse, dans les camps de bois ou bien les forêts ou autres pour aller chercher vraiment de l'eau de source à la base, à la source. Donc, nous sommes obligés d'acheter de l'eau minérale et on peut regarder sur la bouteille pour voir celui qui est le plus pur que possible. Parce que vous savez qu'il y a toujours certaines eaux de source, je ne peux pas les citer, c'est à vous de lire ce qui est écrit dessus. Il faut chercher l'eau de source qui est le plus naturelle que possible. Je ne dis pas qu'il y a matière de conservation dedans, mais je dis chercher ce qui est le plus pur que possible, eau de source. Quand vous avez cette eau de source, l'eau de source, pour que l'eau de source soit un bon élément dans vos bains de purification, dans vos bains de chance, etc. Qu'est-ce que vous allez faire? Quelque chose de très simple. Vous enlevez toute étiquette dessus, tout papier qui peut être connu comme étiquette dessus. Et vous allez faire un travail qui est simple. 7 jours avant la nouvelle lune, écoutez bien, 7 jours avant la nouvelle lune, vous allez déposer cette bouteille-là dehors. La journée, ça peut prendre du soleil. Pendant 7 journées. Vous pouvez, dès que vous sortez du travail, soit si vous pouvez le laisser, c'est-à-dire après les 7 jours, c'est-à-dire vous mettez, vous arrivez chez vous, ce matin vous êtes réveillé, donc 7 jours avant la nouvelle lune, vous êtes réveillé, vous le mettez dehors. Le soleil n'a qu'à taper dessus. Même si vous êtes dans un pays où il fait fort, qu'importe la température, le soleil est là. Donc c'est-à-dire que les rayons du soleil sont toujours là. Donc vous mettez ça dehors. Quand vous sortez du travail, vous avez vu que le coucher du soleil, vous prenez, vous le rentrez. Et vous faites ça pendant 7 jours. Chaque fois, vous le rentrez. Vous ne laissez pas la nuit le prendre dehors. Maintenant, quand vous êtes rentré maintenant, 7 jours avant la pleine lune, vous comptez 7 jours avant la pleine lune, vous allez prendre cette même bouteille et vous allez le mettre la nuit, donc après le coucher du soleil, à partir de 19h comme ça, vous le mettez dehors jusqu'au petit matin vers 5h du matin. Vous le prenez, vous le mettez en dedans. Vous faites ça pendant 7 jours. Il faut savoir, donc ça veut dire que jusqu'à la pleine lune. Et l'autre, c'est pendant 7 jours jusqu'à la nouvelle lune. Je pense que vous avez compris. Vous le faites 7 jours avant la nouvelle lune, comme ça, le 7e jour tombera la nouvelle lune. Et là, vous le faites 7 jours avant la pleine lune, et le 7e jour tombera à la pleine lune. Donc ça veut dire que vous avez une bouteille d'eau de source bien préparée. C'est pas la peine de l'ouvrir. Les rayons font leur travail dessus, avec toute l'influence, toute l'énergie que tu as pénétrée à l'intérieur. Ça, c'est quelque chose. Vous pouvez utiliser cette eau-là un peu pour faire du désenvoûtement et un peu pour utiliser comme bain pour la chance. Donc, si vous savez que vous utilisez beaucoup d'eau, vous pouvez mettre plusieurs bouteilles, plusieurs bouteilles d'eau de source pour mettre dehors. Vous n'êtes pas obligé de faire un coucher de bouteille, vous pouvez prendre plusieurs pour faire ça. L'essentiel, c'est respecter les 7 jours avant la nouvelle lune et les 7 jours avant la pleine lune. Je pense que tout est clair. La recette est là, vous avez tout écrit dans le cahier. Comme ça, quand vous avez besoin, il suffit de simplement reprendre votre cahier, chercher la recette et refaire la recette. C'est quelque chose qui purifie totalement l'eau de source. Ça, c'est de l'enseignement. C'est important. Souci. Que le Créateur et les malheureux ancêtres nous accordent la santé et la vie. Une bonne santé de fer et une bonne vie. Restons tous en vie. Pouvoir de même.